Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment intégrer un fichier audio dans un Google Sheets, la nouvelle version de Google Sheets. Alors, ce tuto est dédié spécialement à Madame Tortue qui m'a posé la question dans la vidéo, dans les commentaires sur comment créer un Google Sheets nouvelle version. Et elle souhaite intégrer de la musique dans son site. Pour cela, Madame Tortue, nous allons d'abord dans Google Drive, en suivant les petites explications à l'écran. Dans Google Drive, on intègre un fichier audio. Voilà. On prend le lien de ce fichier audio avec un clic droit. On va sur « Obtenir le lien de partage » qui se met d'office dans le presse-papier. Et dans Google Sheets, on intègre ce lien. Voilà, le lien est intégré. On obtient donc à l'image ceci. On peut rajouter un petit texte en dessous pour dire que c'est, par exemple, là, c'est le fichier audio qui résume la page du blog. Donc, écoutez l'article. Écoutez la version audio de l'article, par exemple. On peut redimensionner la tuile. Là, elle est quand même un petit peu grosse, donc on va la redimensionner. Et on publie, tout simplement. Et voilà, le fichier audio est intégré sur la page Google Sheets. Donc on peut vérifier tout de suite. Il suffit de cliquer sur l'audio pour être sûr que ça fonctionne. Si vous aussi, comme Madame Tortue, vous avez des questions à poser, des tutos à demander, n'hésitez pas à le laisser dans la partie commentaires. Et puis, un like si vous avez aimé cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. À très bientôt!